Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Metroid Prime Federation Force. Aujourd'hui on va... S'infester. On va faire une mission, j'ai envie de dire spéciale, sur Talvania. Mais la personne de la transmission entrante en parlera mieux que moi. J'ai reçu un rapport de nos services de renseignement, il s'agit d'informations extrêmement graves. Cela pourrait s'avérer pire que ce que nous avons connu jusque-là. Les pirates ont remis en service un centre de recherche de Talvania et y conduisent... des expériences sur des créatures flottantes extraordinairement dangereuses. Oh ! Je ne vais pas tourner autour du pot. Pourtant, je viens de le faire quand même. Nous ne savons pas comment les pirates de l'espace ont pu mettre la main sur des métroïdes. Quoi qu'il en soit, le danger est réel. De voir les pirates utiliser leur technologie d'augmentation pour faire de ces métroïdes des créatures encore plus dangereuses que ce qu'elles sont. Vous avez pour mission d'infiltrer le laboratoire de recherche et de le détruire. Le site est équipé d'un dispositif d'autodestruction dans sa partie la plus centrale. Déclenchez-le et fuyez! L'explosion devrait anéantir le recherche, mais aussi, et c'est le plus important, tous les métroïdes que les pirates ont rassemblés sur le site. Mais arrêtez d'exterminer les pauvres métroïdes, bon sang! J'aimerais encore vous demander autre chose, section mes élus. Si possible, j'aimerais que vous profitiez de cette mission pour récupérer un œuf de métroïde. Songez à tout ce que les recherches sur cette créature pourraient nous apporter. Il s'agit de là, vous vous en doutez, d'une mission à haut risque. Je m'en remets à vous pour vous la mener à bien, bonne chance! Et donc. Voilà. Nous y voilà, Talvania. On va enfin jouer à Metroid Prime. Trop bien. T'as vu, il y a même d'autres personnes qui viennent avec nous. Ce seront nos alliés dans cette quête. Nous disions chercher l'œuf du bébé Metroid. Activer l'autodestruction. Alors pourquoi est-ce que je disais que cette mission est spéciale? C'est-à-dire que nous sommes un petit peu renseignés sur le jeu. Sans faire exprès d'ailleurs. Pour chercher comment obtenir des mods qui se cassaient pas. Et nous avons découvert que cette mission était hyper importante pour avoir la vraie fin du jeu. Oui. Parce que l'objectif secondaire, du coup, on le connaît déjà. L'objectif secondaire, c'est de récupérer des œufs de... De Metroid. De Metroid. Bah d'ailleurs, il y en a pas un là. C'est pas un œuf de Metroid, ça. Ah non. Mais il faut que, pour avoir la vraie fin du jeu, il faut que chaque joueur récupère un œuf de Metroid. Donc du coup, il faut qu'on en récupère deux, là, dans le cas présent. Donc, si jamais vous jouez à 4, bah, il faut que les 4 le récupèrent. Si jamais vous êtes 3, bah, il faut qu'il y en ait 3 qui le récupèrent. Je suis bloqué dans le truc. Incroyable. Du coup, bah, on va essayer d'avoir la vraie fin du jeu. Mais ok, d'accord, l'autre, il est pas content. Enfin, ils ont fait un truc? Ah non, c'est les tourelles fâcheuses. Aussi, vous auriez pu me donner des points en tir précis, là. Il n'y a plus rien ici. Donc, du coup, là, il faut qu'on trouve les œufs. Je suppose que si on récupère pas les œufs, l'émission se termine et il se passe rien. Enfin, je sais pas, ça doit être une fin secrète. J'avoue, je sais pas. On va pas trop s'amuser à tester la mauvaise fin. Après, si ça se trouve... Ah, mais oui, il faut maintenir. Après, si ça se trouve, on va échouer la mission secondaire. Ça serait dommage. Je suppose que les œufs de bébé Metroid, il faut les récupérer après avoir déclenché l'autodestruction. Oui. Après, on sait pas, on connaît pas la mission. Hein. Oui, oui, après, oui. Ouais. Oh. Il est gelé. Vas-y, tu m'as caissé le Metroid. Bah, je l'ai pas shooté dedans, donc c'est pas moi. Hein. Bah, je l'ai pas touché. Bah alors c'est moi qui ai mal tiré. J'ai tiré à côté, donc. Ça peut pas être moi, désolé. J'ai cru qu'on pouvait passer, mais en fait on pouvait pas. Ah. Il y a des caisses. C'est fermé. Là, il y a des missiles si tu veux. Ah bah j'arrive. Ah mais c'est peut-être mon drone en fait qui l'a tué. Le Metroid. Ah oui, c'est vrai que t'as un drone. Ton meilleur ami, le drone. Là je suis... Je lui tire dans la tête, il est mort. Oh, des boules de feu. Oh, il y a un Metroid. Mince, désolé, je ne voulais pas prendre le missile. Bien joué. Ah. Attends, bah, je vais essayer d'en tuer un, moi aussi. Bon, pardon. J'avoue, par contre, ils sont sympas, tout ça, là. Ils nous font affronter des Metroid, mais ok, d'accord, mais on n'a pas spécialement beaucoup de tirs de glace, je trouve. C'est vrai que les Metroid, pour les tuer, il faut toujours les glacer avant. Ouais, je fais ça par réflexe. Et après leur jeter un missile dessus. Bon, là, visiblement, dans le cas présent, on n'est pas obligé de leur jeter un missile, mais. Mais on est quand même obligé de leur shooter de la lumière. Jette-leur de la lumière dessus, ils craignent la lumière. Tout est fermé, je sais pas si ça s'ouvrira après ou. Je suppose que oui. Quand ça se détruira, là, c'est le moment où il faudra visiter. Je suppose, oui. Il y a encore une porte derrière, regardez.
Encore une porte derrière, Evelyne. Oh. Wow. Moi, j'ai encore plus de place dans mes affaires. Encore des métroïdes. Bon, il y a des tirs de glace, là. Ah oui. Parfait. Du coup, on les détruit? Ouais, regarde, là. Vas-y. Ah, bah lui, il était déjà gelé. Bon. En fait, ils sont déjà gelés et on utilise certains, des certains le sont, d'autres non. Allez, on tue tous les métroïdes parce qu'on a aucun respect. Ils rapportent plein de points, les métroïdes, en plus. J'aimerais bien en détruire. Tu peux me le laisser, s'il te plaît. Oui, en fait, ils sont déjà gelés. Il y en a certains qui sont déjà gelés. Attends, j'ai eu des boules de feu, alors je vais pouvoir ouvrir ça. Oh, un mod. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces pirates. Oh bah, coucou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pirate. Justement. C'était un piège pour m'attraper. Était tombé dedans. Bon, il y a encore de la glace, là. Je sais pas si t'en as encore besoin. Toi. Bah, j'ai plus de place, en fait. Moi non plus, alors du coup, bon. Dommage. J'ai failli le faire. Et finalement, tu m'ôtes les mots de la bouche, si je puis dire. Quel bruitage! J'aime beaucoup ce bruitage. On est en train de voler à l'infini, là, en fait. Je saute sur toi, donc tu sautes sur moi, etc. Et hop. Comme dans Sonic Heroes, pendant le mode de joueur. On fait des homing attacks l'un sur l'autre, et du coup, on monte à l'infini dans le ciel, c'est beau. Alors, par où la porte va-t-elle s'ouvrir? Elle s'ouvre par là. Alors, ils sont où les méchants? Qui veut se battre avec mon tir chargé? Ce sont des ennemis, ça, là? Il y a plusieurs portes. Alors, est-ce qu'il y a des méchants, là? J'entends des bruits. Ah, il y en a un, là. Où l'ennemi? Il a rien vu venir. Ah oui, lui, il est gelé, lui. Attends, hop. Bah, ah bah non, il est plus gelé finalement. Lui là derrière, il est pas gelé. Je me suis pris du soin. Non, t'as pris des... Oh, il y avait des objets. Il y avait des tirs gelés et tu les as tous pris. Ah bah désolé. Vas-y, j'en aurais bien voulu un quoi. Mais j'ai pas fait exprès. Mais... Je sais. Ah bah il y en a encore un. Moi j'ai plus de tirs gelés. Moi. Bah du coup, je pourrais les geler. Et toi, tu pourras faire le coup. Il y a le truc de missile qui vient automatiquement vers toi. Ah non, ça va, je l'ai pas utilisé du coup, le tir gelé. Parce que j'ai un mode qui me permet d'avoir un 20% de chance qu'il ne soit pas utilisé, mon tir gelé. Après, ça se trouve, les portes sont fermées, c'est juste du décor, ça s'ouvrira pas. Bah, il faut bien qu'on trouve des œufs de bébé métro, ils sont cachés quelque part. Ah, tu penses que les œufs, ils sont ouais, derrière mais ils les sont... portes. Oh, le pirate. Mais non, je voulais pas faire ça. Bon. Ok. Ah non, c'est toi. Bon, si on vise le même, ça va pas aller. C'est quoi ici, les métroïdes? Attends monsieur, je détruis le métroïde et je suis à toi. Il est bizarre celui-là. Là. Il a pas l'air de m'avoir vu en fait. Ah, oh, il m'a vu. Tant pis pour les points. Ah, parce qu'en plus il fallait réellement les tuer. Ça doit être ici, la salle. Bon, attends, on va visiter un peu, je pense, avant de... Oui. Bon, j'ai récupéré des tirs de glace. Allez, vas-y, viens. Vas-y, cherche ton tir, là. T'es prête? Vas-y. T'es prête? Non, j'étais pas prête, en fait. Voilà. Bien joué. Merci. Bon, il y avait rien, là. Oula. Bon, la glace. Oh mince, en fait, j'aurais dû te le laisser. Bah, en de toute façon, j'ai plus de place, hein, donc... Ah, un missile rien que pour moi. Ouais, lui, il est bon. Mais donne-le-moi. Merci. Ah mince. Y a des méchants qui arrivent, là. J'entends la musique. Oh, y a encore un métroïde, là. Y a un métroïde, là. Tu veux le tuer? Ouais, non, viens, t'es où, là? Je suis à l'autre bout de la terre. Vas-y, charge ton tir. Bon. D'habitude, ça se casse pas en un coup, les vitres, hein. Je suis désolé. Si, ça s'est toujours cassé en un coup. Bah, moi, j'en donnais deux. De mon côté, ça s'est toujours cassé en un coup. Ah, missile gâché. Ah, bah, je peux le prendre quand même, d'accord. Écoutez, allez, tant viens, mieux. Viens, attends, c'est quoi, ça? Manipuler les métroïdes présente un danger extrême en cas de perte de contrôle. Gelez-les et sécurisez immédiatement les spécimens. Ok. Ah, il y en a encore un. J'étais pas prête. Maintenant, c'est pas grave, tu l'as quand même eu. Bon, bah, on les a tous tués, je crois, c'est bon. Alors, qui veut se battre avec moi, là? Ah, il y en a deux, là, de méchants, j'ai vu. Ça aurait été bien qu'il y ait deux portes. Un bot blindé! Oh, bah, il est effectivement très blindé, en effet. Bon, je suppose que...
Oui, bah si tu tires dans le point faible, ça, ouais, ça le tue. Bon, je l'ai brûlé, comme ça au moins. Ça marche aussi. Alors, alors, alors. Bon, ce serait bien que je vise un monstre, en fait. Ok, je suis pas visé. Aïe! Y'a rien ici? J'avoue, j'ai pas trouvé de mode, là. Bah, toi, je sais que t'en as trouvé un, mais... Bah, y'en avait qu'un, non? Attends, non, là, y'a un truc. Attends, y'a deux portes fermées? Là, y'a l'air d'avoir un truc, on est d'accord. Comment ça, y'a... Ah, mais non, oui, non, c'est pour la porte, elle est fermée, oui. Ah... c'est là que tout va s'auto-détruire, n'est-ce pas? Mais en fait, il y a beaucoup plus de portes fermées que je le pensais. Il n'y en a pas 4. J'ai l'impression que c'est la 5e que je vois, là. Il y en a beaucoup plus que 5, oui. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des modes ou des trucs comme ça. Alerte! Alerte! Autodestruction activée! Détonation dans 400 secondes! 399 secondes! Oh, bah, selon s'ils le disent à chaque fois. Bon, bah, vas-y. Ah oui, là, il y a un 9. Je vais te laisser y aller. Moi, je vais prendre les devants. Comme ça, on se sépare, si je puis dire. Mais j'espère que quand on aura l'œuf... Regarde, les bébés Metroid sont sortis, c'est beau. Oh, je savais pas que ça criait un Metroid. D'ailleurs, du regardez coup, les... ceux qu'on a tués... oh, bah, il est morbide, dis donc. Ceux qu'on a tués sur le chemin, du coup, ils nous attaqueront pas, genre on a gagné du temps. Oui, je suppose. Bon, je te laisse faire, t'as de la glace, j'espère. Oui, oui, j'en ai un. Oui. Vas-y, vas-y. Attends, là, il y a une porte, du coup, je vais y aller. Oh, il y a un mode. Bon, bah. Il y avait un mode. Il n'y a pas d'œuf de Metroid dans celui-là, ouais. Là où je suis, il y a un œuf et un mode. Mais je tombe. Comment on va monter? Il y a peut-être un autre chemin. Il y a un mode devant moi, mais je sais pas comment y aller. Du coup, c'est un peu énervant. Mince. Ah oui, non, mais j'ai plus rien, moi, en fait. Peut-être que... Mais non, je peux pas monter. Faut pas non plus que je passe 6 minutes. Faut pas que je reste 6 minutes à essayer d'avoir un mode. Il fallait qu'on soit deux pour l'avoir, ce mode. Bah non, on a jamais besoin d'être deux. Qu'est-ce que j'ai pas compris. Bon, sur le chemin, il y aura un Metroid, hein, je te préviens. Je peux pas le tuer, donc du coup, je te le laisse. D'accord, mais moi, j'aimerais bien savoir... Pourquoi il est aussi haut, ce mode? Je le laisse tomber? Oui, bah ouais, hein. Tant pis, c'est pas grave. Comment on prend un œuf? Vous n'avez pas explosé? Oh mince, je sens qu'il faut rester appuyé sur A. Je sais que vous mourrez pas. Meurs pas, hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Pourquoi vous mourrez pas, vous? Une mine, elle fonctionne pas sur vous? Du coup, tu dois te balader avec l'œuf? Oh mince, je l'ai lâché, oui. Même pas par où il faut aller. Ça semble être une porte que tu as déjà ouverte. J'avoue, on avait besoin d'ascenseur pour repartir. Pour monter. Et là, maintenant, pas de problème ou tu m'attends? Bah là, j'y suis pas encore. Là, je suis en train, du coup, d'essayer d'éliminer tous les monstres. Pour toi. Vu que j'ai pas de tir de glace... Ouais, mais il y a un mode, là. Tu l'avais pas vu? T'as pas trouvé d'œuf du coup? Pas encore, mais. Les métroïdes sont pénibles. Là, peut-être qu'il y en a un, je vais aller voir. En tout cas, si tu peux. C'est quoi ça? Une mine? Ah, vas-y, vous me donnez rien. Tu vois, j'ai plus de soin du coup. Il y a plus beaucoup de temps. Hein. Qui c'est qui me fout dedans là? Il est où mon œuf? Ah, là, il y a un mode. Je vais récupérer le mode. Un coup, un tiers de glace pour tuer les métroïdes. Bon, j'en ai pas encore d'œufs. Après, peut-être qu'il y a qu'un œuf. Non, il y en a deux. Enfin, il y en a au moins deux. Coucou. Salut, salut. Ben, j'ai tué les métroïdes. Mais comment t'as fait? Avec mes tiers de glace. Mais t'as le œuf dans les mains. Mais je le lâchais et puis je. Ah, tu peux le lâcher, c'est bon. Oui. Ah, oh, pardon, j'étais là. Genre là, je suis obligé de lâcher. Oui, t'es obligé de lâcher, oui. Non, c'est bon, cette fois-ci j'ai des tiers de glace. Par contre, si t'as du soin, je veux bien me soigner. Tu veux que je te soigne? Ouais. Parce que j'ai plus de soin. Merci. Ouais. Bah, dis donc, tu m'as soigné beaucoup? Ah, bah, tant mieux. Comment ça se fait? Je sais pas, j'ai pas de mode pour ça.
Attention, il y a des ennemis. En fait, j'ai mis un mode pour ça, je me suis trompé de mode par rapport à, mon... ah à non, ce que y je y pensais. Allez, vous toi à la porte, vite. Bon, je vais essayer de geler les métroïdes. Bon, là-bas, il n'y a rien. Donc... Non, mais c'est bon, je peux les geler, les métroïdes, là. Ah, bon. Ah oh, bah, on a tué trop de métroïdes. Au secours. T'es où? Mais non. Ah. Mais... Il y a trop de métroïdes, sérieux? Wouah. J'ai plus de tir de glace. Moi non plus. Attends, en gros, on prend l'œuf et on s'enfuit? Ouais, bah t'as pas le choix, hein. Mais Il y a, y a une salle là, elle est où? On va bien aller voir si c'est pas là qu'il y a l'œuf de métroïde. Mais purée! En plus, il te pompe tes points! Pourquoi vous avez fait ça? Le truc des points, là! Je vais mettre mon œuf dans l'ascenseur et je viens t'aider. Ok, ok. Mais il donne que des missiles partout aussi. Et on peut pas le tuer sans le geler. Oui, 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 on peut pas. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas de... Bon. Mais vous êtes partout en plus. Eh, mais... Purée, mais moi, je veux bien la finir, la mission, mais... Ok, il est où, le bébé Metroid? Ok, cette salle, elle sert à rien. Ok. Je suis allé dans une salle, il y avait un mode. Et purée, il y a plein de Metroid qui m'attendent. Je sais pas où t'es. Putain, mais j'ai beau marteler B. Bon, t'avais dit que dans cette salle il y avait pas. Oui, il y a rien là où je. Je pense qu'on va y aller. Hein. Tu penses que l'œuf il est pas là? Non, bah non, j'ai déjà regardé partout. Bah, on s'en va alors. Enfin, où? Attends, là c'était une vraie salle ou c'était une fausse salle ça? Non, mais il va pas m'attaquer dans l'ascenseur, hein. Tu m'attaques pas dans l'ascenseur, va-t'en. Ah, si, ah, y en a plein là. En fait, ils sont tous là, les œufs. T'en as trouvé un? J'en ai trouvé trois. Ok, bah c'est bon alors. On va... Parce qu'on a plus qu'une minute. Ouais, oh, ouais. Il a mangé le missile. Allez, ouvre la truc. Bon bah en gros, là, on prend nos œufs et on fonce. J'espère c'est qu'on pas va si pas trop se faire temps. Manger. Ah c'est chaud, hein. Surtout que là, il y avait plein de... Metroid, puis en plus l'ascenseur il prend bien son temps, tu vois. Hein. Ah non, non, moi je suis pas pressé hein, d'y aller. Voilà, c'est de l'autre côté derrière. On peut quand même faire des trucs sur le côté. Ouais. Salut, salut les Space Pirates. Même les Space Pirates ils sont en train de s'enfuir, je sais pas ce qu'ils font. Allez, on a 15 secondes pour partir. Non, j'ai perdu mon œuf. Wouah! Mais théoriquement, on n'est pas mort là! Bah, mais... on est à l'extérieur donc c'est bon! Mais ah, non. Tu es morte! Mais non, mais j'ai perdu mon œuf, ils m'ont fait. Oh! Oh, il le mange! Pauvre monsieur! Non, 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 c'était pour... Oh, et on sort avec classe, toutes les deux, avec nos œufs. Ouais, c'est dur d'appuyer sur B, hein. Oui. Ah, faut poser les œufs. Mais si, on a même pas gagné 1000 points. Ok. Tu l'as mal mis. Ça y est. Ça y est. On va pouvoir s'enfuir. Ah, et là, par contre, il y a un extracteur. Oh. Il y en avait pas tout à l'heure? Non, mais je parle des missions, tu vois, la plupart des missions, il n'y a pas d'extracteur. Ah oui, on finit la mission avec un extracteur. Ah oh, enfin. C'était compliqué. Sachez que il faut prendre le premier œuf pour faire apparaître les trois autres. Non, non, cette fois-ci, il n'y en a qu'un qui est apparu. Donc, non, non, je comprends pas, en fait. Oh purée, il faut plein de points. Ah, t'as eu moins de points que moi à cet essai-là. Peut-être qu'on aura plein de points parce qu'on a récupéré des œufs. Oh! Vous êtes sérieux pour 23 secondes? J'espère que t'es pas trop triste parce que si t'avais mis 27 secondes de moins en moins, de trucs en moins, ben... On n'aurait pas été obligé de refaire cette mission. Dommage. Du coup, c'est pas canon de réussir la mission, tu vois. Là, du coup, on n'a pas réussi et. C'est quoi ce truc? C'est le truc pour t'y recharger les 30%, tu peux le prendre. Ah oui, tu l'as. Parce que... Bah, moi je l'ai plus, il s'est cassé. Mais vas-y, j'ai un mode qui a été détruit. Ok. Je suis même pas mort! Le laboratoire de recherche s'est autodétruit. Aucun signe de vitalité. Il y a mon mode aussi qui s'est autodétruit. Après l'explosion. Pas même de Metroid. Vous avez fait. Oh, pardon. Un excellent travail. Vous avez fait un excellent travail.
Le QG de la Fédération sera soulagé d'apprendre que la menace métroïde est écartée. Les pirates ont donc bien utilisé leur technologie d'augmentation pour accroître la taille des métroïdes. Nous avions vu juste. Imaginez ce que les pirates auraient pu faire si nous n'étions pas intervenus et qu'ils avaient continué tranquillement leur recherche. Mieux vaut ne peut-être pas y penser. Vous avez empêché ça, merci. Et ça aurait été un Metroid Prime. Mais non, les métroïdes en plus, ils ont jamais été aussi gros, sauf... J'avoue que là ils sont énormes en fait, parce que en fait toi t'as pas trop l'impression, tu dis que c'est des métroïdes normaux parce que le robot, parce que t'as l'impression d'être juste Samus et que Samus elle fait que 1m80, mais en fait là elle fait pas 1m80, il fait pas 1m80 là personne. On est dans des mécas, il fait 3m80 et encore il faut 30m80 comme Galad. 3m c'est beaucoup. Ouais, je sais pas. Mais je veux dire, je trouve que c'est pas beaucoup. Ouais, je trouve. Vu comme on est petit par rapport à notre méca. Ouais, mais en même temps après je sais pas. Après, peut-être que si on fait effectivement, ils font peut-être bien 3 mètres en fait. Bon, bref. Ok, bon, moi je suis parti. Hein, du coup, il a pas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour la prochaine partie. À bientôt pour la suite. Au revoir.